YouTube.com/TagabGames, commentateur en live, et pas toi. Chers youtubeurs, chers youtubeuses, aujourd'hui est un jour très spécial. Oui, aujourd'hui est un jour très spécial car nous allons parler des commentateurs. Être commentateur sur YouTube est maintenant un travail qui nécessite une préparation hors du commun, des formations très avancées et des qualités de commentary requises de très très haut niveau et de pointe. Et à cela, je dis non, c'est fini cette période où tous les commentaries étaient si beaux, si parfaits et si bien construits. Car maintenant, je suis là, mes amis, je suis là pour vous délivrer de cette emprise. Et c'est là où vous êtes tous censés applaudir. Oh là là, Nagami, Nagami. Voilà tout le monde, ici Nagami, je suis enfin de retour. Et avant toute chose, un grand merci à TheSplinter077 pour l'intro un peu spécial hein, que vous aurez vu au début. J'espère que vous aurez fait un minimum rigoler quand même hein. C'était le but. Ne vous inquiétez pas, la musique entre guillemets officielle, bah ce sera pas celle-là hein. Merde. Ce sera sûrement du Antoine Lavenant ou je sais pas, je n'ai pas encore décidé. Donc oui, je fais mon grand retour en faisant une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Une vidéo parmi une Babybel d'autres vidéos sur Call of. Et bah j'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est assez divertissant. En tout cas, je suis en mêlée générale sur la map bootleg. Je joue avec le viseur laser silencieux. Avec ma M4, avec la M4 viseur laser silencieux en or, bien évidemment, hein, parce que moi j'aime pas tout ce qui est en argent. Non. Ok, d'accord, c'était une vanne pourrie. Et puis voilà, donc alors je fais enfin mon retour en cette année 2012. Et oui, bon, en cette année 2012, ça fait juste 2-3 semaines que l'année 2012 elle a commencé, mais c'est pas grave, hein, Naga, on t'en veut pas. Mais alors, je m'explique parce que vraiment, je vais vous faire un historique de tous les problèmes que j'ai croisés pour rendre des vidéos. Mais alors, vous allez halluciner pas. Alors, le problème majeur, oh putain, il l'a pas pris. Problème majeur. Mon ordinateur. Alors, il était tellement vieux que je ne pouvais pas. Quand j'enregistrais, ça faisait des sauts, des saccades dans mes vidéos. Oh putain, dommage, ça aurait été très joli. Alors, déjà, grâce à Noël, Papa Noël, bah, il m'a offert un nouvel ordinateur. Donc, merci Papa Noël. Ils avaient rien vu parce que j'ai vidé un chargeur sur un mec parce que j'arrivais pas à viser dessus. Et ensuite, après l'ordinateur, bah, c'est l'HDP vert qui m'a planté. Ouais, parce que j'ai dû le changer parce qu'il enregistrait d'une manière assez étrange. Et non, ça venait pas de mes câbles. Enfin bref, je l'ai envoyé au SAV de Hopog. Ouais, parce que moi, tu vois, je suis un riche et moi, j'ai de quoi m'acheter de la marque Hopog. Je m'achète pas les vieux HDP VR avec disque dur et tout. Enfin bref. Et donc après le HDP VR, c'était Sony Vegas qui m'a planté. Donc voilà. A chaque fois que je faisais un rendu, il me mettait un message d'erreur qui me disait la cause de l'erreur n'a pas pu être déterminée. C'est génial, un logiciel à 650€ qui ne dit même pas pourquoi ça ne marche pas. Chouette, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Oui, parce que ouais, moi je le, comme beaucoup de gens je pense, moi je le fonctionne, je carbure au crack, enfin du moins pour Vegas hein. Et puis voilà. Enfin bon, là maintenant que tous ces problèmes sont finis, je peux enfin faire des vidéos, les gens, je suis de retour. Et qui dit nouvelle année 2012, bon, encore une fois, je fais beaucoup allusion à 2012, dit une nouvelle résolution, et dans mes nouvelles résolutions font partie la fréquence des vidéos. Ce que je sous-entends par les fréquences des vidéos, c'est à dire que les vidéos, je vais les sortir de manière un petit peu plus régulière, environ au minimum une vidéo par semaine. Donc préparez au moins votre week-end. Et préparez-vous à être sûr de sourire sur vos claviers pour pouvoir regarder mes vidéos, mes péripéties. Mais sauf que quelle péripétie vas-tu faire Nagami tout court. Non, je me fais prendre en gangbang devant, derrière, à droite, à gauche, enfin voilà. Quelle péripétie vas-tu faire? Bon, alors déjà Halo, bon Halo pour les plus français. Oh, pour le bon Dieu. Bon, j'y reviendrai là-dessus si jamais j'y repense. Halo 3, alors j'ai eu très peu de pouces verts, tristement,
Enfin, j'en ai eu 4, bon, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, par rapport à la fidélité que je dois sûrement avoir. Ça reste un score très honorable, mais j'ai eu très peu de commentaires, donc je sais absolument pas si la série vous intéresse. Dites-le moi, mes amis, dites-le moi si ça vous intéresse, parce que j'aimerais bien continuer la série avec TropX, mais si vous n'y voyez aucun intérêt, parce que soit c'est trop long, soit c'est trop nul, soit c'est pas assez captivant ou quoi que ce soit, bah voilà, c'est bof. Et puis moi, j'ai pas envie tout simplement de continuer une série qui vous plaît pas. Et attendez, j'en prends quelqu'un et... Bah je l'ai pas eu. Assez dur hein, sans le viseur laser d'un coup. 22-16, le prochain il est à 25, bon ça va, on n'est pas trop loin. Et puis il y a aussi le projet Battlefield. Ah ouais, vous avez kiffé hein, mon petit... Enfin en ce moment je suis très sur les accents anglais, je sais pas pourquoi. Ah ouais, je l'ai vu mais trop tard. Et Battlefield 3, je sais qu'il y a eu beaucoup de walkthrough qui ont été faits sur les chaînes, par exemple des Américains hein, ou d'autres youtubeurs français. Donc je sais toujours pas si ça vous intéresse de faire un walkthrough avec moi. Donc voilà, pour partager toutes mes impressions, parce que oui, le jeu, depuis que je l'ai eu, bah, j'ai pas fait la campagne, hein, j'ai joué que multi, encore multi, j'ai même pas dépassé le niveau 6. enfin voilà, pour la petite anecdote. Donc... Bah voilà pour mes projets, pour les fréquences, grosso merdo, tout ce que j'avais à dire pour mon retour. On touche bientôt à la fin de la vidéo, le bonhomme il a 1450, je pense pas que ça va durer très longtemps, bah, voilà, comme je l'avais dit. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser votre traditionnel pouce bleu, enfin quand je dis traditionnel, entre guillemets, hein, vu qu'avant c'était des pouces verts, donc les traditionnels actuels pouces bleus, enfin les pouces de toutes les couleurs, sauf le rouge, hein, vous serez gentil. De commenter la vidéo parce que ce serait super sympa de votre part de me dire ouais Naga t'es génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Oui, de mettre en favori, bon honnêtement si vous avez pas envie c'est pas grave hein. Mais surtout de faire partager à vos amis, de dire à tout le monde que Nagami est de retour même s'ils connaissent pas, bah, allez squatter chez eux, piquer leur PC, écrivez youtube.com/usernagamigames. Et puis bah voilà. J'espère que la vidéo ne vous aura pas surtout ennuyé. Et dans les commentaires, oui dans les commentaires, oh putain vas-y ça y est, je suis parti dans le petit speech. Dans les commentaires dites-moi si le projet Halo, je le continue, si le projet Halo, si le projet Battlefield, je le commence. Et puis un grand merci encore une fois à TheSplinter077 pour l'intro et l'overlay. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao tout le monde, portez-vous bien, mangez des nems, ça fait toujours plaisir. À la prochaine.